Nous allons voir le message de ce matin par rapport à deux versets. Jérémie chapitre 9, verset 22. Les versions de le français, mais elle a tenu 24, verset 24. Le Vegbemea, ta cheke, pipi blavevo, veame ole. Donc, pour certaines versions, ça peut être le 24e verset. Mais selon notre version, c'est le 22e verset. Jérémie chapitre 9. Mais ta flache, n'y a rien le Vegbemea. Ne version, il est déjà rien le français, mais nous avons pas de 22e ole, allo 24e ole. Pipi blavevo, vea globe. Allez, yeho a glo, esi. Nunyala megapua degbele epe nunyanu o unseto megapua degbele epe unsenu o eye kesino to megapua degbele epe kesino nuonu o pipi bla vevo tonle akebon amesi kebe ya pua degbela ne pua degbebe enyanu eye wo jesimbe nyenye yehowa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen si me amen veve bonu dodro ple tsotswe nyenye le anyigbaji elabena nusia nuwe nyo enu Yehowa yegble. Amen. Amen. Version Louis II. Jérémie chapitre 9 verset 23 et 24. Là nous lisons. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Nous voulons venir. Deuxième lecture. Isaïe chapitre 30 verset 18. Eyata Yehowa le lalalam be yave mianu. Eyata ocho be yakpo nubla nunami. Elabena bonu dodrope mau enye Yehowa. Wa yira amesi okata po esinu. Amen. 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 Isaïe chapitre 30 le 18e verset. Là, nous lisons. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Maounia, betanya inye, maounianya, kleke sinonu yo le enyanyame. Et donc, le thème de ce message, c'est la connaissance de Dieu et les richesses qui s'y cachent. Maounianya. Et la connaissance de Dieu et les richesses qui s'y cachent. Et toi, serait-ce qu'hier, notre papa est en train de discuter, de causer avec un ancien et sur la manière dont nos ancêtres, nos aïeux, et ils ont adoré. Et ils se sont rappelés de quelques conventions que nos papas, nos prédécesseurs, ils ont eu à faire au moment où nous étions seulement très bas en âge. Et mien donkou allez ou plina allez ou tso fagbe douani na mouse bosso moi mien donkou de kakle veoji. Et nous sommes rappelés de la manière dont ils s'évertuaient, ils se sont consacrés, ils se donnaient vraiment à Dieu. Mien donkou dibe le takpe pao me le yema ya. Et nous sommes rappelés que lors des conventions dans le temps, roba zikbe ya ome le hame amo. Et l'église n'avait pas même des chaises plastiques. Bench, allo, agbogulo, planche, ye, miato, odrona, to djijife, amedo odrona planche, amedo odrona brikikpe, woko danade, woko na planche, woko danade ji, voa, wono nou ya wongple djijo, wono nou ya wongple vivisesene,
Et donc au moment, dans ce temps-là, et nos papas, bien nos prédécesseurs, ils venaient à la convention avec des planches et certains prenaient même des briques. Et donc ils posaient des briques et déposaient sur les briques des planches sur lesquelles ils s'asseyaient pour servir, pour adorer. Et ils étaient tellement fiers, tellement contents. Ils se sont évertués de telle sorte que ils ont l'espérance que celui-là auprès de qui ils sont arrivés, il viendra un jour. Et Alléluia. Amen. Nous avons remarqué que bon nombre de ces gens-là, Dieu les a tellement bénis, Dieu les a élevés. Et ceux-là qui ne sont plus, et ils ne sont plus allés dans le monde pour terminer leur vie, mais plutôt, ils ont terminé leur vie en Jésus et ils ont été vraiment honorés à leur dernière demeure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et Dieu, alléluia. Amen. Béni sois-tu parce que c'est l'Éternel Dieu que tu adores. Et donc heureux celui-là qui veut chercher et servir le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui est notre Sauveur. L'Église qui posait sa confiance sur l'Éternel. Et l'Église qui ne s'est pas donnée au syncrétisme. Mais ils ont leur confiance en Jésus. Comme l'Église dans laquelle nous sommes. L'Église dans laquelle tu es. C'est Jésus-Christ qui est le grand leader. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus-Christ est celui qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui règne dans l'Église. Et toi aussi, tu es béni. Tu es un homme béni. Alléluia. Amen. Ce que nous avons lu nous dit ceci. Et béni soit ceux-là qui espèrent en l'Éternel. Et ceux-là qui sont bénis. Et ceux-là qui ont soif de Jésus-Christ. Et donc ceux-là qui ont soif d'aller à la quête de chercher Dieu. Et donc ceux-là qui ne se sont pas donnés à des murmures, à des jalousies, mais à tous ceux-là qui cherchent que l'Éternel Dieu soit notre maître, soit notre guide, ce peuple est un peuple béni. Nous aimerions énumérer trois chemins ou bien trois voies par lesquelles nous pouvons connaître Dieu. Le premier aspect par lequel nous allons connaître Dieu. La compréhension de la parole. Il faut comprendre la parole. Il faut comprendre la parole telle que Jésus-Christ l'a dit. Et il faut avoir cette compréhension qui était derrière le moment où Jésus-Christ suscitait les disciples et les prophètes. Alléluia. Amen. Mais il faut comprendre tel que Dieu a inspiré les prophètes et ils ont
ils ont donné le message et ils ont laissé des écrits. Il faut le comprendre ainsi. Et aujourd'hui, les gens se promènent et donnent d'autres interprétations. Il y a plus d'autres interprétations. Et la grande compréhension, la compréhension majeure, c'est que le monde a un seul sauveur. Le monde a un seul sauveur. Et le seul sauveur, c'est Jésus. Quiconque a le Fils a la vie. Celui qui reçoit le Fils Jésus, il a la vie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc la connaissance de Dieu. Et donc c'est la compréhension de sa parole. Donc pour comprendre sa parole, l'église dans laquelle tu es, il faut faire le travail. Il faut bouger dans l'église. Il faut servir dans l'église. Non. Programme yokata le hamia. Non. Assister programme en haut. Vrai programme en haut. Il faut participer, il faut assister aux différents programmes de l'église. Et donc l'église de Pentecôte a fait un programme pour que tous les fidèles puissent comprendre la parole. Et donc le second chemin par lequel nous pouvons comprendre, connaître Dieu. Elle est bien se conformer le enyanya. Et donc il faudrait qu'on se conforme à l'interprétation ou bien à la compréhension de l'évangile, bien de la parole. La vie quotidienne que tu vas mener. Il faut mener cette vie telle que la parole a dit. Il faut se dépouiller des péchés. Il faut se dépouiller des mauvaises compagnies. Il faut se dépouiller des clubs de médisance et de murmures. Et il faut méditer, penser à la parole de Dieu. Il faut regarder l'œuvre salvatrice que Jésus Christ a faite. Je te rassure que Dieu est à côté de Yesu toi. Jésus est à côté de toi. Le Saint-Esprit aussi est à côté de toi. Et le second chemin, il dit Christ dans la tour à Nyama. Le troisième chemin par lequel le chrétien peut comprendre Dieu. Il faudrait qu'il exerce le service qu'il sert. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais blona mi gbaba ibe miato odrona planche d'état. Et je l'ai déjà dit que le papa il prenait des planches sur la tête. Planche odrona d'état. Il prenait des planches sur la tête. Odrona brique 15 pleins. Et il prenait des briques sur la tête. 15 pleins. 15 pleins. 20 pleins. 20 pleins. Odrona d'état. Il les prenait sur la tête. On lui avait qu'on a gbadom. Et venir déposer ces briques à la. Et donc à la fin de la convention, il ramasse également ses briques à leur place. Et donc c'est l'œuvre de service. C'est le service. Dieu nous a appelés pour servir. Donc si tu es dans son église, il faut être à l'aise et serre. Il faut être tranquille et serre. Il faut parler se cacher. Tu fais d'une façon nonchalante, cachée. Et tu prends. Et juste à la fin, tu quittes. Loin de là. Et il faut se montrer, ou bien il faut exercer pleinement le service. Dans l'église. Il faut exercer pleinement le service. Il faudrait que les gens célestes sachent que. Que Dieu a quelqu'un, a des gens ici. Et que les anges remarquent que sur cette terre, Dieu a des serviteurs. Jésus-Christ a des serviteurs. Il y a différents types de services. Et préparer, bien aménager, entretenir l'église. Mettre au propre le temple. Nettoyer les biens, les ustensiles de l'église. Toutes les aventures de l'église doivent être propres. Et si tu rencontres quelque chose de bien dans le marché, et Chine passe, et Hong Kong passe, et Amérique passe, et
Dogoma unya glochi nyade, edoko vunyade, be enu yala jema opapea. Jagada, le suba suba me, ne nyole mo, ne pouvou le mo, reva ma opapeme. Et donc si tu vas au marché de la Chine ou bien de Hong Kong et tu as croisé quelque chose de bien, une chaise confortable ou bien des pupitres confortables, et donc il faut avoir ce désir de pouvoir l'acheter et venir déposer dans la maison de Dieu pour servir. Et donc c'est les trois voies par lesquelles nous pouvons connaître le Seigneur. Maouli. Dieu est là, il existe. Maouli. Dieu existe. Amadeke me gablemio. Que personne ne vous trompe. Maouli. Dieu existe. Yesouli. Jésus existe. Belale. Le Sauveur existe. Maouli. Dieu existe. Belale. Le Sauveur également. Bokokokohan elle. Le Saint-Esprit également. Amadeke me gablemio. Que personne ne vous trompe. Amadeke me gablemio. Que personne ne vous séduise. Ne yé là. Et si tu le connais. Et le bené là. Et tu prends soin de lui. Mais d'assi le ouan. Tu ne l'as pas abandonné. Et si tu commences à zéro, et si tu as un commencement faible, et si tu es quelqu'un qui n'a même pas de forme, la connaissance de Dieu fera que, et en tout moment, et tu vas évoluer dans la prospérité. Tu vas progresser. Et parce que la connaissance de Dieu, c'est une bénédiction pour nous. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et donc ce matin, tu es béni. Tu es un homme béni. Parce que tu as choisi Jésus-Christ pour être ton sauveur. Je te le confirme. Donc ce matin, tu es un homme, une femme béni. Tu es un homme béni. Tu es béni. Et tu seras encore béni. Tu seras encore béni. Il n'y a rien qui a commencé. Jésus a préparé des choses merveilleuses. Il a préparé des choses mystérieuses. Mais toi, il faut tenir dedans. Il faut espérer en lui. Il ne va jamais t'abandonner. Il va te décevoir, pas te décevoir. Il va t'abénir. Il va t'entretenir. Et si c'est la peur des ennemis, et si c'est que l'ennemi vous fait peur, celui qui est en nous, celui qui est en nous, celui que là que nous connaissons, il est fort, il est fort, il est puissant, il est puissant, celui là que nous connaissons, celui là que nous invoquons, il a la puissance, il a la vie, il a le salut, il a le salut, il a la sagesse, la connaissance. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Je suis obéissant. Je serai.